Allez, je vais restart. Ce serait bien d'avoir une médaille. Une médaille, c'est 59 secondes. Bon. Déjà, il n'y a pas de plastique et en plus, c'est une map full speed. Franchement, il n'y a aucun amour pour moi dans le jeu. Vraiment aucun amour. Alors, est-ce que je vais réussir ça? Oh, j'ai réussi first time vraiment? Oh ouais. Donc, j'ai pas du tout bien fait, hein. Mais je suis passé. On va essayer de pas vomir aujourd'hui. Ah, je me suis encore planté. Ok, on fait mieux, beaucoup mieux, mais pas suffisamment pour pas assez bien pour avoir la première médaille. Donc pas assez bien, mieux, mais pas assez bien. Ok. Allez, première difficulté, ce truc de la mort là. Hop. Ok. Pas trop mal, pas trop mal. J'ai 3 secondes d'avance. Ok, pas terrible, pas terrible. Non! Oh, mais je suis vraiment le. En fait, ça tourne trop pour moi. Ça tourne juste trop pour moi. Et moi, je perds tous mes repères. Je suis instantanément dans une autre dimension. Oh, à 1 seconde 5 de la médaille. Je suis vraiment nul, hein, sur cette map. C'est les maps full speed. Ça me convient pas. Ça me convient pas du tout. Et je suis quand même très déçu de pas avoir de plastique. Oh non. Oh. Est-ce que je vais avoir la speed? Tiens, c'est un bon essai. Est-ce que j'ai la vitesse? J'ai jamais la vitesse. En fait, si tu te plantes, c'est fini. Oh, ça va pas durer longtemps aujourd'hui, vous allez voir. Vous allez voir. Parce que là, au moindre problème, c'est fini, hein. S'il n'y a plus la vitesse, c'est fini. Ok, j'aimerais avoir une médaille, s'il vous plaît. Oh, j'ai réussi! Bim! La médaille, bon, j'ai eu l'argent direct. Et je suis à 1 seconde 5 de la médaille d'or. Ah, donc c'est une vraie map full speed avec du coup des médailles qui sont très rapprochées. Et normalement très peu d'écart entre les gens. Vu que c'est du full speed. Quel enfer. Est-ce qu'il y a des joueurs qui sont spécialisés dans le full speed? Est-ce que ça existe? Est-ce que j'ai pas assez de vitesse? Totalement possible. Oh, ça passe!
C'est fou ça. Donc le retard. Bon là c'est une erreur et bye bye. Hein. Ça va être ça la phase éliminatoire. Ça va être dramatique. Secondes de retard. Une erreur, 10 secondes de retard. Let's go. Je sens qu'on va avoir le temps de faire du BR aujourd'hui. Ok, le deuxième. Ok. Déjà, j'arrive à le faire sans me rater. Oh mince, j'ai plus le temps. J'ai encore moins le temps. Encore moins le temps. Oh dommage, j'ai la meilleure run que j'ai jamais fait. Mais ça va s'arrêter. Oh, j'ai une seconde d'avance. J'avais peut-être la médaille d'or sur cette run. Mais on ne saura jamais. Bon, on va donner notre meilleur. Hein. Notre meilleur de ouf. Mais. Honnêtement, je pense que ça va vite partir en BR. Oh l'erreur! L'erreur fatale! On va regarder vite fait le GPS. Voir s'il y a des petits tricks de trajectoire. Oh il est chaud le type. Il est chaud le GPS. C'est vraiment chiant le full speed. C'est vraiment pas mon truc. Déjà avoir le bruit du moteur toujours à fond, ça m'énerve. J'ai l'impression de jouer à The Crew, quoi. Allez. On est quel... On sait pas, ok. Dommage. J'aurais aimé savoir quel div j'étais. Triste. Triste un peu.
Et voilà. Bim. Oh, y a un mec qui s'appelle Bus Baguette. Oh, quel pseudo incroyable. Vraiment des gens qui ont des idées de ouf. Hein. Qui ont une créativité incroyable. J'avoue que Bus Baguette, ça me fait. Ça me rend un peu jaloux. Oula, il s'est passé quoi? Je suis pas. C'était incroyable ça. Là, je devrais avoir des points bonus pour le style. Ah, pas là. Bon, est-ce qu'on garde l'objectif du top 20 aujourd'hui? Pas sûr. Hein. Pas sûr, pas sûr. En vrai, il suffit de faire un start comme ça, là. Et hop, hein. Sur un malentendu, on est éliminé. Hein. En tout cas, ça commence. On va tout faire pour ne pas se faire éliminer direct. Au moins faire un top 30. Sur cette map violette. Allez, déjà petit tour d'essai, petit tour de chauffe pour se mettre bien. Ok. Deuxième passage qui peut être délicat. Voilà, délicat dans ce genre là par exemple. J'ai failli me faire avoir. Je fais 8e et j'améliore mon meilleur temps et ça me fait bien plaisir. Bien plaisir de faire son PB. En vrai c'est en tour d'échauffement, toujours. Toujours délicat de faire son meilleur temps autour d'échauffement. Ça peut être un coup du karma. Oula. Est-ce qu'il va réussir? Oui, ça passe. Ok, le premier tour est terminé. Maintenant, c'est pour de vrai. Et on peut se faire éliminer. Oula. Oh, j'ai eu de la chance! Tellement eu de la chance. Ça aurait pu être dramatique, ce ne l'a pas été. Je suis actuellement 28e. Je suis actuellement moins, enfin pire que 28e. 32e pour être exact et je finis 32e après un restart.
Ça va être dur. Ça va être dur de ouf. Heureusement qu'il fait pas chaud parce que là, là j'aurais vraiment été en PLS. Vas-y, sauve-toi. Oui, non. Oh non, il a pas eu le temps de finir. Oh non. Oh. Oh non. Horrible de voir les gens pas finir. Horrible pour eux. Vraiment la tristesse infinie. Ok, est-ce qu'on ferait pas une petite run sans erreur là? Genre vite fait. Ça me semble pas là. Pas mal une petite run sans erreur. Hop là. Hop, deuxième. À 87 millième de la médaille d'or. Je déteste ce jeu. Je déteste ce jeu. C'est faux. C'est faux, mais ça m'énerve. 87 millième de seconde. Pas des dixièmes, pas des centièmes, des millièmes. Oula. Oula, c'est le pire start ever. Ok, let's go, essayons de ne pas être éliminé sur ce pire start ever. Ça, c'est parce que je m'énerve. Forcément. Par contre, je lag aussi un peu. Ça, c'est moins de ma faute. Est-ce que je lag parce que je m'énerve? Peut-être. Peut-être. Dans ces cas-là, ce serait totalement mérité. Ok, j'ai failli louper la fin comme un abruti, mais ça n'a pas été le cas. Je finis 24e et je ne suis pas éliminé malgré mon départ absolument dégueulasse. Absolument infâme. Du coup, on est déjà plus que 40. Ok. Ok. J'espère que Bus Baguette n'a pas été éliminé. Vraiment, moi je mise tout sur Bus Baguette parce qu'il a un pseudo trop stylé. Allez, 3 joueurs, 4 joueurs en moins. On continue, on est toujours là et on va essayer de ne pas louper son début. C'est très important le début. Et hop, on retourne dans cette aventure full speed. Hop là, je suis actuellement 8e et même 8e. Ah, il m'a fait un faux espoir en me mettant 6e, mais non, non. 8e. Ok. 8e alors que j'ai release deux fois une microseconde. Oui, tu vas te sauver. Vas-y, au bout. Au bout, garçon. Oui. 32e place. Il y a vraiment trois personnes qui ont abandonné
vraiment trois personnes qui ont abandonné lors de ce tour. Allez, on continue. Si on passe ce tour, on se retrouve sub top 30. Ce qui est déjà un bon exploit dans une map full speed. J'ai l'impression que les gens partent comme des canons, comme des boulets de canon. Et après galère, ce qui est un peu étrange. Parce qu'en vrai, je suis pas du tout dans les premières places au début. Alors pas du tout. Et plus on s'approche de la fin, plus je gratte des places. Alors que c'est du full speed, hein. Tout le monde est censé maintenir l'accélérateur tout le temps. Bon, malheureusement, encore une fois, proche de la médaille d'or, mais et pas de médaille d'or. J'ai quand même fait 42,087. La médaille d'or est à 42. Encore deux abandons. Après, remarque, s'ils font une erreur et qu'ils sont à un endroit où ils peuvent plus passer, je comprends qu'ils abandonnent. Je comprends. Allez, on a passé le top 30. Maintenant, objectif top 20. Et on serait quand même vraiment bien. On serait vraiment zépo sur le top 20. Et j'aimerais aussi beaucoup avoir l'or, mais bon, ça elle arrivera, la médaille d'or arrivera quand ce sera le moment. Mais d'ailleurs, faut pas les brusquer, ce sont des animaux un peu spéciaux. Hop là, voilà, elle arrive la médaille d'or quand on parle d'elle. Bim! Je prends une 8ème place et une médaille d'or. Alors ça vaut cher ça. Ça vaut bien cher. La médaille d'or et la qualif. Allez, on reste focus. Du coup, maintenant, j'ai qu'une envie, c'est d'accrocher le top 20. Donc, j'ai eu ma médaille d'or. Tant attendu. Je veux aller chatouiller le top 20. Je me mets en première place. Est-ce qu'on peut réussir à finir premier ? Pas sûr. Pas sûr parce qu'on était deuxième. Ah, on est cinquième. Merci pour l'info. J'irai voir. Merci Dogjoui. J'irai m'informer de ça. Allez, toujours en vie. On est dans le top 20. Ça régale. Et maintenant, c'est que du bonus. Maintenant, tout ce qui va plus loin, c'est du bonus.
Ok, ça craint. Mais visiblement, il y a eu des erreurs. Ah non, en fait, il n'y a pas eu d'erreur. Enfin, pas assez. Ok. Est-ce qu'on peut aller gratter en faisant une fin propre? Quelques places. Oh oui! Let's go! 16ème. Ça va. Pas loin de se faire avoir. Pas loin de se faire avoir. Une erreur. Ils sont là. En plus, on n'est plus que 20. Si on est arrivé jusque-là. Oh, c'est Bus Baguette. Non, Bus Baguette. Mon ami français. Oh non, Bus Baguette qui est éliminé. Franchement, ravi d'avoir. De t'avoir eu comme concurrent Bus Baguette avec un pseudo aussi incroyable. Il s'appelle Bus Baguette. Point. Vraiment. Vraiment triste. Triste. Nous vivons une triste époque. Une époque où Bus Baguette. Point. N'est plus dans la compétition. Notre ami français avec un pseudo incroyable. Vraiment une grande tristesse s'empare de nous. Mais on continue de lutter hein, pour la France. Pour la France. Pour la France, on est 9ème. Même 9ème. Bon, bah on sera allé plus loin que ce que je pensais, hein, dans tous les cas. Honnêtement, je sentais le top 40 arriver avec voilà, une erreur qui me coûte ma place. Au final, on a fait quelques erreurs de temps en temps. Mais on ne l'a pas payé trop cher à chaque fois. Donc j'ai plutôt eu de la chance. Oula! Pourquoi j'étais en train de drifter à donf là? Qu'est-ce qui... C'est juste parce que j'étais plus rapide que d'habitude? Je pense pas. Non. C'est bizarre. Peut-être qu'ils ont oublié de me changer les pneus. Je peux vous dire que je consomme de la gomme. En full speed là. Les pneus et l'énergie, heureusement, c'est des voitures électriques, bien sûr. Mais Manu 2021 là qui a abandonné ce tour, il a dit c'est l'heure de manger, good luck, have fun. Et il a dit delete. Allez, la classique. Ok, pour l'instant on n'est pas spécialement bien, mais on est loin de la fin. Et tout le monde est très stack. Voilà, on est passé 6ème. Voilà, maintenant on est passé premier. Je suis passé de dernier à 6ème, puis à premier. Voilà, quoi, parfois. Je suis maintenant 3ème. Hop, et je finis 2ème en améliorant mon PB. J'ai un PB à 41,356. Voilà, pas loin du premier qui fait 41,325. What? Oh, mais il y a des... Mais non. Il y a des safeways? Je savais même pas. Et à mon avis, je suis pas le seul à pas l'avoir remarqué.
clairement. Vu le nombre de gens qui abandonnent. Ok. Alors, est-ce qu'on est encore dernier? Non. Ce coup-ci, on est sixième. Septième. Re-sixième. Je trouve que les maps full speed, elles enlèvent de la variété au gameplay de Trackmania. Hop là, troisième, avec encore un chrono sub médaille d'or. 41,9. Oh, mais je suis au top 10 là déjà, je m'en suis même pas rendu compte. Même top 8 maintenant. Du coup, on va passer à un éliminé par tour. On est vraiment dans la phase finale. C'est incroyable. C'est inattendu. Oula. Oh bah là je suis dead. Hein. Je suis full dead. Par contre j'ai eu du lag en fait. Ça c'est. Bah j'ai re-eu du lag. Oh. Ah mais il y a quelqu'un qui a abandonné, mais non. Mais non mais. Mais what? Par contre je suis full lagué. Hein. Peut-être ma carte graphique qui est plus contente. Pourtant il fait moins chaud là. Carte graphique. On va pas être potes hein, si tu te vénères quand il fait moins chaud et pas quand il fait chaud. Ah par contre faut juste absolument que je finisse. Sinon ça serait vraiment dramatique. Et j'ai la chance de ne pas me faire éliminer. D'ailleurs je finis même pas avant-dernier. Hein. J'arrive à rattraper quelqu'un alors que j'avais give up. Enfin, j'avais pas give up, mais j'ai tellement raté mon début que j'avais 10 secondes de retard. Mais quelqu'un a abandonné. Du coup, on passe au tour suivant. Hop là, on loupe pas le début. C'est pas le meilleur début possible, mais on loupe pas le début. Là on est dernier mais c'est pas grave. La map est encore relativement longue. Voilà, on n'est plus dernier. Hop, cinquième, quatrième. Re-cinquième. Et finalement, cinquième. Toujours là, on n'est plus que 6 en vie. Il y a moyen. Il y a moyen que ça se passe bien, il y a moyen que ça se passe pas bien aussi. Rien n'est joué pour l'instant. Oula, j'ai pris un peu beaucoup extérieur. Ok, quatrième. Oh là là, si peu d'écart. Quatrième finalement à quelques centièmes d'avance sur le suivant. Ça va, j'ai fini quatrième. Du coup, le suivant n'était pas éliminé non plus. Ok, on n'est plus que 5. Là, c'est la crise. Là, c'est la crise parce que là, encore plus sur une map full speed, vous pouvez faire une bonne run, vous pouvez faire un temps correct, voire très correct.
et être éliminé tout de même. Le tout, c'est de ne pas finir cinquième. Espérons que ça soit le cas, mais je suis cinquième actuellement et pourtant vous avez vu, je n'ai pas fait d'erreur. Juste, j'ai été moins optimal que les autres, j'imagine. Et du coup, je vais finir cinquième. Et voilà. Et pourtant, j'ai fait une run plutôt propre, hein, juste un peu moins bien que mes concurrents. Et voilà. Par contre, ça me fait plaisir de pour une fois perdre sans faire d'erreur. Juste parce que je suis un peu moins fort. Fini du coup 5e et 2373e de cette Cup of the Day qui était avec une map full speed que je n'apprécie pas spécialement, mais les maps full speed que je n'apprécie pas forcément. Mais cette map-là était plutôt ok. Ça tournait un peu dans tous les sens, mais sinon ça va, c'était fun. La compétition a été plutôt pas mal, donc plutôt une bonne expérience.